tu vois, dis-moi. Ouais. Et plus besoin de sachets plastiques. Voilà. Exactement. La chaleur commence à monter vachement fort. Je vais peut-être rentrer chez moi parce que là je suis en transe et j'en peux plus. Alors une chose que les gens trouvent assez étonnant quand ils arrivent une première fois en Afrique ou ailleurs dans cette zone semi-tropicale du monde, c'est que la terre est rouge ici. Et les gens ils se disent waouh, la terre est rouge, comment ça se fait? Eh ben les gars, il fallait écouter en chimie parce que la terre dans les zones tropicales est très riche en fer, en élément fer. Et une fois ce fer mis à l'oxygène, si vous avez bien écouté en chimie, vous savez qu'il va s'oxyder et former de l'oxyde de fer, qu'on appelle couramment chez nous la rouille. Et ouais les gars, donc en gros, le sol ici, une fois qu'il est découvert comme ça, s'il est rouge, c'est parce qu'il y a de la rouille dedans. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu vends de beau? Montre-nous. C'est quelle marque ça? C'est Tommy. Tommy? C'est un vrai? Oui, un vrai Tommy. Il coûte combien? 6 000 francs. Donc ça fait plus ou moins, pour vous, ça va faire un peu moins de 10 euros. Un Tommy à 10 euros? Là, t'as quoi d'autre? Ouais. Ça, c'est quoi là? On a mis la braderie, gazé, montera. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de modèles. Après, je regarde, il y a beaucoup de modèles. Après, je regarde, la brigade, promo. Alors, comment tu t'appelles? Ah, ça m'appelle DJ Sénateur. Tu peux juste parler fort parce que la caméra, elle n'entre pas bien. DJ Sénateur, moi. DJ Sénateur, t'as quel âge? Moi, j'ai 22 ans. Est-ce que tu travailles ici? C'est ton magasin? Non, c'est pas mon magasin, ça appartient à mon boss, Oralim 5 étoiles. Et toi, tu fais la pub alors? Ouais, j'ai fait la pub. C'est qui a eu l'idée de chanter comme ça? Bon, actuellement, j'ai appris la musique depuis que j'étais enfant. J'ai aimé le micro et puis j'aime ça. J'ai fait sortir 10 sons seulement, ça n'a pas marché, puisque je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de quelqu'un qui va m'aider quoi, pour me soutenir. Sinon, la musique, j'aime. Moi c'est Hubert. Moi c'est Adepas Agus. Qu'est-ce que tu fais ici, Fabrice? Moi je fais dans le domaine de la mode vestimentaire. Il voit rien? Il voit rien, ça pour sortir. Il voit rien. Parce qu'ici dans le quartier, il y a un peu de tout. Hein. Moi je vais croiser le Burkinabé aujourd'hui, c'est des galères. Ouais, mais c'est vrai, la Côte d'Ivoire c'est une fonction de plusieurs peuples. Il y a les Maliens, il y a les Guinéens, et puis il y a plusieurs étrangers. Pourquoi? Parce que nous sommes accueillants, nous sommes hospitaliers. Et là, tout le monde se retrouve ici, tout le monde gagne son pain. Et c'est la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait le bon vivre en Côte d'Ivoire. J'aime bien ce style de vie. En tout cas, courage, parce que non, mais chez nous, souvent quand on pense à l'Afrique, on dit c'est pauvreté, comme tu as dit, c'est maladie. Bon, pauvreté, c'est ce mot, moi je n'aime pas trop ça, parce que nul n'est pauvre. On apprend toujours quelque part et chacun est riche à sa manière. La pauvreté, elle est relative en fait. L'Afrique, on a notre manière de vivre. Nos us, nos coutumes, nos civilisations sont une richesse pour nous. On n'a pas encore bien saisi l'ampleur de la civilisation occidentale. Donc nous sommes pauvres à ce sujet. Mais riches en nos cultures, en nos us, en nos coutumes et en nos civilisations. Exactement. C'est pour ça que je viens en Afrique. Hein. Il a tout dit. Ouais, merci bien. Voilà, c'est une photo vidéo donc vous pouvez bouger. Exactement. Et moi je viens de dessus aussi. C'est ça l'Afrique.